ennemi sécurisé. Bravo. Les alliés déployés. Détruisez. Drone hostile dans la zone. Drone ennemi. Salut tout le monde, c'est Rookie. Petite vidéo sur le camouflage de la HRM9, qui est la nouvelle SMG de la saison 1 rechargée. Petite astuce en fait, les camos sont pas buggés, sachez-le. Les intitulés de chacun des camos sont exacts et respectés. Juste pour le camo inestimable, l'intitulé c'est éliminer 15 opérateurs en tirant au jugé tout en glissant avec la mitraillette HRM9. Donc il faut, quand vous faites le kill, c'est-à-dire quand le mec meurt, que vous validez dans la feed le kill, il faut que vous soyez à la fois en train de glisser et à la fois en train de tirer au jet. Donc jusque là, vous allez dire, il est con, il nous répète juste l'intitulé. Ouais, mais vous verrez que c'est beaucoup moins simple que ça en a l'air. Moi, il y a plein de fois où je faisais des glissages, je tirais au jet, j'avais l'impression de valider le kill, mais en fait, dès que le mec se relève, en fait, bah du coup c'est foutu, en fait, vous avez plus la notion de glisser, donc le kill ne compte pas, et franchement le profil de dégâts de cette arme est correct, mais il faut quand même saquer quand même plusieurs balles, donc vous verrez que c'est beaucoup moins simple que ça en a l'air. Je pense que si vous êtes sur Shipment, ça peut le faire, mais même Rust, moi j'avais du mal, donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé en hardcore, en fait, tout simplement. Moi, c'est mon petit conseil pour faire ce défi, le valider rapidement, puisque c'est ça qu'on veut faire, hein, et ben c'est d'aller en hardcore, donc sur la playlist Rust 24 sur 24 hardcore. Donc pour ça, vous allez ici, partie rapide en mode hardcore, là, vous faites carré, donc moi je suis sur PS5, vous faites carré ou tout, moi en fait la touche filtre, et vous verrez que tout à droite, vous avez Rust sur 24, vous sélectionnez juste ça, et après vous lancez. Et vous aurez que Rust 24 sur 24 en hardcore. Et là, par contre, ce qui est bien en hardcore, c'est que vous glissez et vous avez besoin de 2-3 balles max pour tuer. Donc là, ce sera plus facile de glisser et de tirer au jugé en même temps. Ce sera beaucoup plus simple de valider le défi. Alors oui, ce sera du hardcore, vous ferez tuer probablement plein de fois-ci. Mais franchement, pour l'avoir testé en normal, j'ai pas trouvé ça évident. Voilà, donc ça, c'est ma petite astuce personnelle. Après, peut-être qu'il y en a qui vont se dire que ça sert à rien, tout ça. Mais moi, ça m'a permis de le faire en 5 minutes. Alors que franchement, en mode normal, ça commence à me faire suer. Voilà, j'espère que ça vous a bien aidé, et je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde.